Je vais pouvoir travailler aujourd'hui. C'est juste ce que je voulais faire avant encore. Oh, les pépins de la pomme de Newton, vous êtes encore rendu chez moi? Bon, bon, vous êtes sûr que vous voulez rester avec moi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va pouvoir faire encore une petite expérience. Alors pour ça, je vais prendre de l'eau et du colorant. Ah ben, j'ai des restes d'expérience là. Déjà avec qui ressemble à de l'eau et du colorant. Donc, voilà, je mets l'eau et le colorant dans mon assiette. Il me faut, faut une bougie aussi. Donc, je mets ma petite bougie et un verre. Alors, de toute façon, il ne faut pas que je me brûle. J'allume ma bougie. C'est bon, c'est allumé. Ou c'est pas moi qui l'ai faite, cette bougie-là. Hein. Ah. Je retourne mon verre dessus et on va voir ce qui se passe. Et donc voilà, cette expérience a bien réussi. Alors, je vous explique qu'est-ce qui s'est passé. En chauffant, la flamme a besoin d'oxygène. Donc la flamme a brûlé tout l'oxygène qu'il y avait dans le verre, ce qui a créé une sorte d'aspiration, comme un gros trou noir. Et là, tout le liquide est remonté dans le verre. Voilà tout simplement ce qui s'est passé au niveau de notre expérience. Donc c'est très très simple, vous pouvez le réaliser chez vous pour faire des tours de magie à vos amis, et puis voilà. Donc si vous voulez retrouver des expériences comme ça, vous pouvez rechercher la chaîne de Tagada TV, où vous trouverez toutes les vidéos, vous faites des recherches sur Alta Vista, et vous me trouverez tout de suite. Et voilà, bon ben je vous dis à très bientôt, et sinon au niveau, niveau écologique, quand on se lave les dents, il serait bien de penser à refermer le robinet pendant qu'on frotte. Comme ça, ça économise l'eau et on pourra vivre encore plus longtemps avec plein d'eau sur notre planète. Bon, moi, je suis reparti dans mes expériences. Je vous dis au revoir. Je me dépêche. Hein. Allez, au revoir, merci. Hein.